Quant au Conseil constitutionnel, je lui conseille, au nom du peuple souverain qui se place au-dessus de lui, de ne pas emprunter le même chemin boueux d'indignité que celui qu'a emprunté le Conseil d'État avant lui. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur cette loi inique le 5 août. Je l'enjoins de ne pas tomber ni dans la corruption, ni dans les conflits d'intérêts, ni dans la petite politique politicarde, mais de se hisser au niveau des principes sacrés de notre Constitution et de censurer totalement, intégralement, cette loi de la honte. Si ce Conseil constitutionnel ne se plie pas à ces injonctions de bon sens, alors nous saurons, nous, peuple souverain, nous en souvenir et nous mettrons aux poubelles de l'histoire ces institutions qui nous auront trahis. L'élan vital de la France est là, et dans les 200 communes de France où il y a des millions de résistants réunis. Oui, les forces de vie se sont rallumées. Oui, les endormis se sont réveillés. Oui, les moutons se transforment en lions. Oui, le génie français, à nouveau, éclaire le monde. Ce monde qui, en ce moment même, nous regarde. Et je peux vous le dire, étant à Rome il y a quelques jours avec nos amis résistants italiens, ils nous regardent, ils espèrent de nous, d'Australie au Québec, en passant par l'Italie et l'Irlande. Le monde regarde la France et nous dit, pays de la liberté, mets-toi debout! Liberté. Liberté. France. France, pays des révolutions. Sois fidèle à ta glorieuse réputation. Et à nouveau, brise les chaînes qui entravent le peuple et éclaire le monde comme tu l'as fait dans les siècles passés. Révolution! Et nous, humbles de France, soyons à la hauteur des devoirs qui nous incombent. Leur monde pourri périra. La justice, la liberté, l'égalité, la dignité, la souveraineté du peuple et l'humanité tout entière reprendront leur place. Les petits VRP des grands laboratoires
seront chassés. L'Union européenne de mèche avec les mêmes laboratoires, nous le savons au moins depuis le scandale du Remdesivir, sortira de l'histoire en même temps que nous, France, sortirons de l'Union européenne. Brexit. La France, comme toujours, dans sa quête millénaire de grandeur et de justice, sera au rendez-vous de l'histoire des hommes. Je vous le promets devant vous aujourd'hui. Montrons le plus beau visage, le visage le plus honorable de cette France éternelle. Faisons ressortir le meilleur de cette force solide, de cette force tranquille contre laquelle ils ne pourront rien demain. Nous sommes la vie, ils sont la corruption. Nous sommes la liberté, ils sont l'oppression. Nous sommes la France, ils sont la souffrance. À la fin, la liberté, la vie et la France gagnent toujours. Vous allez gagner, nous allons gagner. Vive la résistance, vive la liberté et vive la France! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Triomphe et notre gloire. Oh,
Ouais. Vive la France! Vive la France libre! Voilà ce qu'ils veulent faire de nous! Ça ne vous rappelle rien? La crécelle de l'épreuve! En attendant, vous savez que c'était grâce à vous.